Salut à tous, les images parlaient d'elles-mêmes. La soirée s'annonce belle ici, très belle. Une belle ambiance, une excellente météo. Pierre Ménès est à mes côtés, bien sûr. Au programme du jour, un match amical, international. Et l'ambiance qui est vraiment au rendez-vous, hein, Pierre. Un match dont on n'attend pas grand-chose, mais allez, on espère qu'il y aura du spectacle. Voici la composition d'équipe locale. Une équipe qui va donc évoluer en 4-5-1 aujourd'hui. Ouais, 4-5-1 conventionnel avec un milieu renforcé. Rappelons que la capacité de ce stade lui permet d'accueillir de très très grands matchs. Ouais, 60 000 places, ça commence à être costaud. Et voici les 11 titulaires de la formation visiteuse. C'est un 4-4-2 qui a été retenu. Avec deux attaquants légèrement en retrait. C'est parti pour la première période. Wang Hinchan. Allez, ils vont jouer la touche. Le ballon qui est sorti, sortie de but. Un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match, à mon avis. Oui, il a une énorme habileté technique, balle au pied. Toujours très à l'aise sur ses prises de balle et forcément, il provoque beaucoup de fautes. Ballon perdu. C'est un ballon perdu bêtement, ça. Kim Jin-soo. Lee Yang-sung. Allez, il tente la petite passe aérienne. Contact. La passe est interceptée. Perdu bêtement. Le ballon par-dessus. Ah non, il rend le ballon à l'adversaire là. Oh, s'ils marquent, ils vont passer devant, attention! Ouais, le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger. Elle est vernie aujourd'hui, cette équipe, à elle d'en profiter jusqu'au bout maintenant. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire?
Ah, dommage, il a essayé d'étirer un petit peu le jeu, mais c'est sorti en touche. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Il cherche une solution. Ouais, une, deux. La frappe! Arrêt du gardien. Qui va revenir à l'adversaire. Il s'avance vers la surface. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Et on revient vers le même joueur. Bien joué. Heung-min Son. Ouais, le ballon qui est perdu. Ça a été dévié. Touche. Un ballon. On va laisser jouer. Avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Le ballon qui change de position. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Kim Jin-soo. Ballon pour Son. Sur l'aile. Heung-min Son. Ouais, il y a des options dans la surface. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Et ballon qui est au fond. C'est vraiment un but collectif hein, qui est le résultat d'un travail de toute l'équipe. Oui, collectif parce que tous les joueurs participent au pressing et l'adversaire a fini par craquer. Voit le but, effectivement, le ralenti est cruel pour ce joueur. C'est bien une perte de balle qui est à l'origine de ce but. Le réalisateur qui nous remontre ce but. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Un mauvais ballon, ça. Lee Yang-tsung. Heung-min Son. Oh, l'occasion. Et dans le tir qui contrait. Ouais, une tête qui permet au gardien de s'illustrer sans trop de problèmes. De jeu. Et une minute de temps additionnel. Il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. C'est la mi-temps dans ce match amical et une équipe qui a pris une petite option. Toute petite option alors, hein, parce qu'il n'y a qu'un but d'écart.
Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant, on peut dire qu'il a été bon quand même. Il n'a pas fait la première mi-temps de sa vie, mais c'est plutôt correct ce qu'il a montré. Je dirais bien, mais peut mieux faire. Ouais, c'est donc reparti ici. Début de la seconde période à l'instant. Il veut garder son ballon, il le protège. Ils font tourner. Oui, bien fait ça. Alors, attention à l'éventuelle contre-attaque. Ouais, il lui rend première intention. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Ah, le ballon qui file jusqu'au gardien. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Passer par-dessus. Attention, ça peut devenir intéressant. Il tacle. Ils reprennent possession du ballon. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Se relance, et il va y aller. Le gardien qui repousse, attention. La passe lobée dans le dos de la défense. Le très bon geste défensif. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Ouais, le ballon qui circule bien, ça joue vraiment bien. Le centre est contré, ça ne donne rien. On applique sans doute une consigne, mais en tout cas, ça joue très très bas. Il récupère un nombre incalculable de ballons. Encore un bon ballon. Hugminson. Lee Yang-sung. Visiblement, on cherche la brèche en faisant tourner. Le ballon est récupéré, hein, force de harceler l'adversaire. Ouais, il lui redonne. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Il tire, c'est sans problème pour le gardien. Ça, c'est très bien défendu. Le ballon qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire.
Le gardien qui boxe ce ballon. Oh, ça ne veut pas rentrer, ce n'est pas terminé. Wang Hinchan. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre. Ouais, grosse ambiance ici en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, les joueurs le savent. Ouais, il gagne son duel et récupère le ballon. Et le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche. On sent que la moindre accélération pourrait être fatale. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. Ça doit être vraiment pénible hein, d'être mené au score et d'être spectateur, de regarder l'adversaire jouer la passe à 10 dans son camp. Ils font bien circuler le ballon. Ah, c'est surtout que le porteur de la balle a toujours des solutions. Hein. Il va pouvoir centrer. Ça va être un 6 mètres pour le gardien. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes, un joueur qui va rentrer. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Donc, on a bien compris ce qu'il a voulu faire. Ouais, flanquer une menace sans réfléchir. Bon, parfois, ça détend. Hein. Un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Wang Hinchan. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Cette équipe qui s'impose devant son public. Courte victoire, mais amplement méritée pour cette équipe. Tout le monde la voulait et c'est une victoire qui a été cherchée au mental. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon hein, dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.